Je m'appelle Maxime Léné, je suis instit sur la ville de Chelles. Chelles est dans la 10e circonscription de Seine-et-Marne, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête au premier tour des élections présidentielles. La 10e circonscription de Seine-et-Marne, c'est un territoire où il y a des enjeux en particulier d'aménagement urbain. Il y a beaucoup de logements qui se construisent, mais aussi il y a des problématiques de transport, d'énergie. Et en fait, typiquement, on voit l'intérêt de ce qu'on explique, nous, avec la planification écologique qui soit à la fois qui permette d'articuler des politiques nationales et des enjeux locaux en impliquant la population et les élus locaux. Si je suis élu à l'Assemblée nationale, ma première mesure, je pense qu'elle ira pour les écoles et en particulier la formation des enseignants et la revalorisation des salaires. Parce que moi, en tant qu'enseignant, je vois que dès qu'on a des collègues qui sont absents, on a toutes les peines du monde à trouver des remplaçants. Et évidemment, c'est une catastrophe pour les familles qui ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école et évidemment pour l'avenir de ces élèves.